peut faire aussi une bonne perf. Un peu la revanche des Championnats de France, hein. Dibio, Sandra Gomez. Mais attention, Alina Talaï, normalement, c'est elle qui a la meilleure perf d'engagement, 12,63 cette saison, couloir 5. Championne d'Europe 2012, Alina Talaï. Championne d'Europe cette année, Amsterdam. Battue par l'Allemande Cindy Rolleder. Pas de faux départ, le bon départ de Talaï, de Sandra Gomis également, et également de l'américaine Christina Manning. C'est Manning qui est avec Talaï à la lutte. Ouais, Manning qui est devant, et Talaï qui va passer peut-être. Là. Et Gomis pour la troisième place, 12,88 le temps devant Manning ou... Alors est-ce que Christina Manning fait 12,87 et oui c'est son meilleur chrono de la saison. Avec du vent défavorable, hein. c'est même plutôt très très bien, 12,88 pour Talaï, avec 0,7 défavorable, c'est quand même vachement bien. Elle aurait été à la hauteur peut-être bien de son record personnel avec du vent positif. Déception un peu derrière pour les Françaises, 13,16 pour Sandra Gomis. Et Sidney Billot est un petit peu plus loin, 12,87, donc confirmé pour Manning devant Talaï. Un centième de différence, Jean, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ouais, puis on voit Manning qui est très vive entre les obstacles. Celle qui met le timing, même si à la fin de course, elle tire un peu sur tous ces Talaï qui revient très très fort, très puissante sur le plat. Et ça suffira pas pour gagner. Les billots en retrait, elle prendra la quatrième ou la cinquième place de cette course.